Hello les amis, je suis trop contente de vous retrouver. Hello les amis, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo après une longue pause, une pause dont j'avais besoin, mais en même temps vous m'avez tellement manqué, la plateforme YouTube, les échanges, la création de contenu forcément, ça m'a manqué mine de rien, donc je reviens aujourd'hui. Est-ce qu'il est trop tard pour souhaiter la bonne année? Je sais pas, on est quand même au mois de février. En tout cas, je vous souhaite une bonne année à tous. Vraiment que des belles choses. La santé avant tout, c'est le plus important. Être entouré de gens qu'on aime et qui nous aime, c'est vraiment tout le mal que je vous souhaite. L'année 2023 a été chargée quand même en projets, j'ai énormément travaillé et je suis arrivée à la fin de l'année complètement rincée. J'étais vraiment fatiguée, j'avais besoin de me reposer et c'est vrai que le rythme des vidéos, mine de rien, c'est très très soutenu. Le fait de filmer, de faire le montage, de poster, d'être présent, de répondre aux commentaires, j'avais juste plus la force et c'est la raison pour laquelle j'ai disparu un petit temps, mais tout va bien, c'était vraiment juste pour me recentrer sur ma vie et me reconnecter, on va dire, spirituellement à moi-même. Et aujourd'hui donc je reviens avec cette petite vidéo chill, simple, où je vais répondre à vos questions. Je vous avais mis un post sur Instagram et sur YouTube par rapport à mes 20 000 abonnés sur la chaîne. Franchement, je suis trop contente. Merci beaucoup. Et je vous avais demandé donc de me poser les questions auxquelles vous vouliez que je réponde. De manière générale, je suis assez discrète sur ma vie privée. Je pense que vous le savez, hein, si vous me suivez depuis quelques temps. Donc pour ce petit retour, voilà, je voulais simplement faire une vidéo chill, tranquille, où je vous parle un petit peu et comme ça vous permettre d'apprendre à me connaître un petit peu plus et c'est parti. Alors la première question, bonjour, quelles sont pour toi les vraies difficultés en devenant propriétaire et les travaux les plus complexes dans une maison à retaper? Je vais répondre à la deuxième question en premier. Les travaux les plus complexes dans une maison à retaper, je pense que c'est quand on veut refaire tout l'aménagement de l'intérieur, c'est-à-dire faire bouger les pièces, mettre une cuisine à la place de la salle de bain, ce genre de choses. Ça c'est vraiment des gros travaux qui demandent une bonne préparation et financièrement c'est lourd aussi. Donc moi dans la maison, ça faisait vraiment partie de mes critères de recherche. J'ai pas choisi une maison où il y avait des gros travaux à faire, tout simplement parce que je me sentais pas capable, dans le sens où je savais que j'allais faire un maximum de choses toute seule. Je me suis pas embarquée dans des gros travaux, donc moi ce que j'ai fait c'est vraiment ce qu'on appelle du rafraîchissement. Donc au final, je trouve pas qu'il y avait des choses très très compliquées dans ce que j'ai pu faire. Après, une des choses un peu complexes, oui quand même, c'est de trouver les bons artisans pour pouvoir travailler. Il faut trouver des artisans qui aient une bonne réputation. Et ceux qui ont une bonne réputation ont un délai d'intervention qui est assez long. Donc du coup, faut patienter pour avoir le bon artisan qui vous réalise des travaux dont vous serez satisfait. Parce qu'autrement, des artisans, on peut prendre le premier venu, mais pour le coup le résultat là il n'est pas du tout assuré et ça je conseille pas du tout de faire comme ça. Donc les vraies difficultés en devenant propriétaire, les vraies difficultés, moi je les ai eues plutôt avant, comme je vous l'avais un petit peu expliqué lors d'une vidéo que je vous mets là si jamais vous ne l'avez pas eue, où j'ai été victime de racisme pour l'achat de cette maison. Donc c'est ça la grosse difficulté que j'ai eue, avec aussi la préparation du dossier, tout ça pour auprès des banques, parce que j'ai fait une demande de prêt pour pouvoir acheter ma maison. Donc ça c'est quelque chose aussi d'assez lourd, étant donné que je ne voulais pas porter ça sur mes épaules, j'ai fait appel à J'ai fait appel à un courtier en immobilier qui s'est chargé de tout ça pour moi. Donc ça, je pense que c'est la partie qui n'est pas forcément évidente. Si vous vous lancez seul, vraiment, je ne pourrais même pas vous conseiller tellement je me suis reposée sur lui et qu'il a tout géré, quoi. J'ai juste envoyé mes documents, les documents dont il avait besoin. On s'est rencontrés, bien sûr. Mais après, c'est lui qui a vraiment tout géré de A à Z. Et par contre, je ne regrette pas du tout d'avoir fait ce choix parce que je sais que ça m'a fait gagner en temps, en énergie, en prise de tête, donc aucun regret. Et oui, je pense que c'est la partie qui est peut-être un petit peu plus
un petit peu plus compliqué, on va dire. Mais autrement, sinon, il n'y a pas vraiment de difficulté en soi. Voilà, c'est comme si je payais mon loyer tous les mois, mais que par contre, oui, je fais ce que je veux dans la maison. Si je veux casser un mur ou faire un trou, ben, il n'y a pas de problème, quoi. Marie, serais-tu d'accord pour nous faire plus de vidéos retour de ressources libres, brocantes, etc. J'aime m'inspirer de tes trouvailles, merci. Oui, bah oui, pourquoi pas, sachant que j'y vais très régulièrement. En plus, ça me fait rire parce que il y a un petit magasin où je vais dans ma ville et à chaque fois que j'y vais, je croise la maman d'une très très bonne amie. Elle aime dire tout ce qui est seconde main et à chaque fois que j'y vais, on se croise là-bas, ça me fait trop rire. Donc oui, pourquoi pas, c'est quelque chose que je fais régulièrement. J'ai acheté des choses que je ne vous ai pas forcément montrées, des choses que je dois rénover, que je n'ai pas encore rénovées. Donc, ouais, pourquoi pas. C'est quelque chose que je pourrais faire, pas de souci. Ensuite, coucou Marie, moi je vais poser des questions sur ta personne. Quel âge as-tu? Es-tu mère célibataire? Désolée si c'est indiscret. Tu es IDE depuis quand et dans quel service au plaisir? Alors, mon âge, du coup, j'ai 35 ans. Très souvent, on me donne beaucoup moins, genre 10 ans de moins. Surtout bah, quand je suis au boulot, forcément je suis beaucoup moins apprêtée avec la tenue d'infirmière, tout ça. On pense que je suis une gamine non plus, mais voilà, une jeune vingtenaire. Mais des fois, ça se ressent sur la façon dont les personnes s'adressent à toi. Tu sens que malheureusement, ils ne te donnent pas le respect qu'on doit tout à chacun en fait. Mais parce qu'ils pensent que tu es très jeune. Et c'est vrai que des fois, ça m'est arrivé de te voir... m'affirmer dans le sens où je ne suis pas une gamine, donc voilà. Mais autrement, ça ne me pose pas de souci de faire plus jeune que mon âge. Ensuite, es-tu mère célibataire? Alors c'est vrai que depuis que j'ai commencé ma chaîne YouTube, je pense que vous n'avez vu aucun homme sur cette chaîne, si ce n'est mes frères qui m'ont aidé dans les travaux, et vous ne verrez jamais personne sur ma chaîne, parce que c'est vraiment ma chaîne à moi qui concerne mon univers, le DIY, la déco. Ce que je peux vous dire, c'est que oui, quand j'ai débuté ma chaîne YouTube, donc quand je commençais l'aménagement de mon appartement, donc pas de cette maison, mais de l'appartement que j'avais avant, oui, je venais de me séparer. Et c'est la raison pour laquelle j'avais besoin de me recréer mon espace à moi, donc pour ma fille et moi. Mais je ne vous dirai pas aujourd'hui quelle est ma situation parce que je préfère garder ma vie privée privée. J'estime que je vous montre quand même pas mal de choses sur cette chaîne, quoi. Vous voyez mon intérieur, toutes les pièces, c'est quand même beaucoup. Donc voilà, je préfère me limiter à ça et garder le reste de ma vie privée privée. Tu es infirmière dans quel service? Je suis infirmière intérimaire depuis plus d'un an maintenant. Je travaille exclusivement en intérim, quoique ça m'arrive de prendre quelques missions d'intérim sur des périodes où c'est un petit peu plus creux, mais de manière générale, malheureusement, heureusement, il y a tellement de besoins en soignant que bah, en fait, tu peux te faire un temps plein, uniquement en faisant des missions en intérim. Donc vraiment, je vais en hôpital, comme en EHPAD, comme en structure plutôt sociale, je vais vraiment partout. Après, je fais plutôt de la médecine, du SSR et de l'EHPAD en niveau des structures, c'est ce qui me correspond le mieux. Et j'en suis très contente, c'est un mode de fonctionnement que j'ai pris parce que j'avais mon activité de décoratrice événementielle et ça me permettait vraiment de bien allier les deux, de pouvoir bosser sur mes prestations et sur le temps qui me restait pour compléter mon salaire. Je travaillais en tant qu'intérimaire. Aujourd'hui, j'ai arrêté mon activité de décoratrice, mais c'est un rythme que j'ai gardé. L'intérim, au final, pour moi, il y a énormément d'avantages. Je travaille vraiment quand je veux, autant que j'ai besoin. Il y a des mois où je vais travailler plus, d'autres où je vais travailler moins. Je choisis là où je veux travailler et vraiment, enfin, pour moi en tout cas, c'est que des avantages et je suis très très contente de bosser comme ça. Ensuite, j'ai Eodia On qui me dit « Coucou, simplement, comment tu vas ?» C'est super gentil de le demander en tout cas. Écoute, je vais bien, je vais même très très bien. Que dire d'autre, voilà, j'ai la santé, ma fille va bien, mes parents vont bien, mes frères et soeurs vont bien,
J'ai des amis autour de moi, vraiment, j'ai pas à me plaindre. De manière générale, de toute façon, j'essaie de ne pas me plaindre. J'estime qu'il y a tellement pire dans la vie et autour de nous. Donc, bien évidemment, ça m'arrive d'avoir des coups de mou, mais ça dure jamais très très longtemps parce que j'essaie vraiment toujours de relativiser et de trouver des solutions à mes problèmes et d'avancer, quoi. Moi, mon leitmotiv dans la vie, c'est vas-y, on avance, on avance, on avance. Ça sert à rien de regarder derrière. Ce qui est fait, on trouve une solution et on avance. Ensuite, peux-tu te présenter métier, âge, passion? Donc, métier, j'ai déjà répondu, je suis infirmière. Mon âge, donc 35 ans. Et mes passions? Alors, mes passions, bien évidemment, il y a tout ce qui a trait à la décoration d'intérieur. Au-delà de ça, j'étais une grosse passionnée de mode avant. Je dirais pas que je ne le suis plus, mais ça s'est un petit peu perdu avec le temps, je dirais. Et en ce moment, je suis un petit peu perdue. J'avais un style avant qui est aux antipodes de ce que me recommande ma religion. Donc actuellement, j'ai la moitié de ma garde-robe qui me sert à rien. Et je suis en train d'essayer de trouver mon nouveau style, en fait, dans un style qui soit beaucoup plus modeste. Et genre ça, par exemple, ça c'est une combi short de base. Donc forcément que je ne porte plus en combi short, que j'ai mis là avec un pantalon. Mais voilà, j'ai plein de vêtements comme ça que je ne peux plus porter. Donc la mode, ça fait partie de l'une de mes passions. Mais en ce moment, je suis un petit peu en recherche, on va dire. En rapport avec la mode, j'étais aussi passionnée de couture. Il y a quelques temps, enfin quelques années maintenant, j'avais une chaîne sur YouTube qui s'appelait My Mode à moi. Je sais qu'il y a quelques personnes qui m'ont retrouvée, reconnue par rapport à cette ancienne chaîne. Et justement, je proposais pas mal de projets en lien avec la mode. Donc c'est une chaîne qui n'est plus en ligne actuellement. Mais la mode et la couture, c'est deux choses que j'aimerais bien retrouver dans ma vie parce que vraiment, j'étais une grosse, grosse passionnée. J'achetais énormément de fringues, même si le but, ça serait pas de redevenir aussi consommatrice, on va dire, d'avoir un style qui m'est propre et qui soit assez stylé, moderne, mais aussi chic parce que j'ai plus le même âge forcément. Ensuite, j'ai Oumi First qui me dit « Est-ce que tu as de la famille à Kaolack ?» Big cœur sur toi. Écoute, merci pour ta question. C'est un pseudo que je vois souvent revenir en plus. Donc, ça fait plaisir de retrouver des noms comme ça, de personnes qui interagissent régulièrement, franchement. Merci beaucoup. Alors, pour répondre à ta question, donc pour ceux qui ne savent pas, Kaolack, c'est une ville du Sénégal. Donc, je suis sénégalaise d'origine, de père et de mère. Et la réponse est non, j'ai pas de famille à Kaolack. Je ne connais pas, j'ai jamais été. J'aimerais beaucoup y aller. Ça fait très longtemps, malheureusement, que j'ai pas été au Sénégal. Et vraiment, c'est un projet que j'ai là prochainement. J'ai vraiment ce besoin d'aller me ressourcer. Donc, mes parents sont originaires du Fouta Toro. Et donc, j'ai de la famille à Dakar et au village, mais j'ai pas de famille à Kaolack. Prochaine question, j'ai Luxury Home Décor 27 qui me demande mariée, point d'interrogation, comment tu fais toute seule? Je suis indiscrète, pardon. Donc j'ai déjà répondu à cette question. Malheureusement, je répondrai pas sur mon statut marital, mais en tout cas, oui, de toute façon, je fais tout toute seule. En fait, cette chaîne YouTube, c'est vraiment mon projet, c'est ma passion et c'est moi. C'est centré sur moi-même et ma fille, parce que elle est avec moi quasiment tout le temps et que quand je fais des projets concernant sa chambre ou autre, je la mentionne. Mais autrement, je ne montrerai jamais, vraiment jamais quelqu'un d'autre sur cette chaîne parce que j'en ai tout simplement pas envie. Ensuite, donc deuxième question de Luxury Home Décor 27 qui me dit « J'ai regardé tes premières vidéos, tu n'avais pas de foulard, tu es musulmane. » Alors oui, je suis bien musulmane, musulmane de naissance, de père et de mère. Donc j'ai grandi dans cette religion-là et c'est vrai que j'ai un petit peu évolué, si on peut dire. Et c'est assez récent dans ma vie à moi. Ça fait 2 ans maintenant que je porte le foulard. J'ai eu le déclic en 2021.
2022, oui, en 2022, c'était au début du ramadan de l'année 2022, où j'ai décidé de me couvrir les cheveux. Je suis des cours très régulièrement et j'essaie vraiment d'évoluer au niveau de la pratique de ma religion, de mes connaissances, d'avoir un peu plus de science. C'est vraiment le cheminement dans lequel je suis. La religion, c'est quelque chose de très très important pour moi, pour ne pas dire la chose la plus importante. Et donc oui, même si j'en parle pas de manière évidente sur la chaîne, oui, je suis musulmane et c'est une fierté. Et j'espère que Allah me facilite, que je puisse être une meilleure pratiquante, une meilleure croyante et encore une fois avoir une science encore plus importante. Et en rapport à ça, il y a toutes les vidéos que j'ai filmées avant, que j'ai supprimées sur la chaîne. Que ce soit le contenu sur YouTube ou sur Instagram, j'ai supprimé toutes les photos, vidéos où j'apparaissais sans turban sur la tête, tout simplement parce que j'étais pas à l'aise avec le fait de me voir comme ça alors que maintenant je porte un foulard sur la tête. Donc c'est la raison pour laquelle il y a pas mal de vidéos qui vous avaient bien plu, qui sont plus sur la chaîne et qu'on me demande pardon encore très régulièrement. Donc j'avais pensé peut-être à refaire le montage de ces vidéos là en coupant, on verra pas forcément ma tête, mais au moins vous auriez quand même la vidéo, notamment du mur de miroir, le fauteuil Ikea que j'avais transformé. Je crois que c'est les deux vidéos qu'on me demande le plus souvent, et je ferai peut-être l'effort si j'ai la force de refaire un montage sans voir ma tête pour le coup, et comme ça je vous les remettrai sur la chaîne. Et le dernier message de Nouria Lou qui me dit: tu es magnifique, merci beaucoup, c'est vraiment très très gentil. J'en profite vraiment pour, donc c'était la dernière question, j'en profite pour vous remercier de votre soutien, de votre bienveillance surtout. Les réseaux sociaux, autant ça peut être très négatif des fois, mais moi j'en récolte que le positif. J'ai vraiment des retours qui sont très très bienveillants, très gentils pour la plupart, enfin pour 99% des cas. Les 1% franchement on ne calcule pas, ça n'a aucun intérêt. Donc merci beaucoup pour votre soutien, d'être là, de regarder les vidéos, de liker, de commenter à chaque fois. Je sais que voilà, c'est peut-être un peu saoulant et je pense que je le dis pas trop non plus. Je le dis de temps en temps parce que voilà, ça reste quand même important pour faire évoluer la chaîne et avoir plus de visibilité et tout ça, parce que le but quand même quand on crée des vidéos, des contenus, c'est quand même que ce soit vu, sinon bah, ça n'a pas trop d'intérêt quoi. Donc merci pour tout ça vraiment. Grâce à vous j'ai pu faire quand même de belles collaborations jusqu'ici, et j'ai d'autres collaborations aussi qui se profilent, donc ça c'est le côté plutôt cool. Ça vient compenser toutes ces heures à filmer et à faire du montage. Voilà, le côté plutôt cool c'est que on a quand même des belles choses qu'on nous envoie, et ça me permet aussi de vous les partager. Donc voilà, au niveau du rythme de mes futures vidéos, donc je reviens, mais je reviens tout doux. Je préfère vous prévenir, déjà une vidéo par semaine, je laisse tomber, vraiment c'est un rythme que je peux pas me permettre, étant donné que je travaille à côté. Si je travaillais pas, ouais, mais là vraiment c'est pas possible, en tout cas sur le long terme, sans être complètement rincée. Donc je table plutôt sur une vidéo tous les 15 jours, et vraiment je vais tout faire, je vais faire mon maximum pour essayer de respecter ce rythme, sachant que j'ai encore pas mal de choses à faire dans la maison. Là c'était la période de l'hiver, du froid, je vous dis, j'ai besoin de repos, donc vraiment j'ai tout mis en stand-by. Genre il y a des plaintes que j'ai pas posées, il y a vraiment plein de petites choses que je n'ai pas fait, et d'autres grandes choses, et encore des pièces entières que je n'ai pas touchées et qui sont à rénover dans cette maison. J'ai plein d'idées en tête et j'ai hâte de vous partager tout ça sur la chaîne. Donc merci encore pour les 20 000 abonnés, merci à ceux qui m'ont envoyé leurs questions. Je mets fin à cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que j'ai pu répondre à un maximum de vos questions, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo donc déco, et j'ai hâte vraiment de reprendre un petit peu, ça va me faire du bien, et j'espère que je pourrai vous partager des choses qui vous plairont et que vous pourrez reproduire chez vous. Voilà, je vous dis à très vite, bye.